Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans Fafa. Restez scotchés dans vos fauteuils et suivez-nous parce que ça va déménager tout à l'heure. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Je ne suis pas seul, toujours avec mon binôme, l'homme aux questions, tenue piquante, le Big Anna. Conda. Yes, sir, je suis là. Alors, dames et messieurs, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, je dirais quelqu'un qui est pétri de talent parce qu'il est multidimensionnel dans son art. Dames et messieurs, il est dangereux. Et puis son nom même va avec. Nous recevons aujourd'hui dans ce Fafa, dangereux, un dangereux, Jimmy Danger. Dangereux comme son nom, Jimmy Danger. Bonjour Jimmy Danger. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais. Alors, comment ça va Jimmy Danger? Bon, comme tu le vois, je ne vais pas. Je suis là. Tu es là. Je suis là pour les questions, pour répondre aux questions. Ah, Anaconda. Oui. D'accord, Jimmy est là. On va dire à Hugo Gatti, à Kenzo que Jimmy Danger est là. Voilà, Kenzo. Sans oublier le patron Amadou Bamba. Jimmy Danger est là. On te salue depuis ta position. Depuis ta position, sans oublier Bouba le robinet et le robinet. Le robinet qui ne s'effeme jamais. Voilà, Bouba le robinet. Voilà, Jimmy Danger est là. Donc voilà. Ton nom dans ton extrait de naissance, là, c'est quoi même? Ibo Laurent. Ibo Laurent. Ibo Laurent. Chez nous, quand ton nom double, ça veut dire que tu es le dernier fils. Ça, c'est chez les bétons, mais c'est chez les gagnants. Non, ça, moi, je suis bété, et colère. Ah, ok. Maintenant, je ne sais pas si les autres, ils font ça. Bété, lui, il est des Niabois. C'est bété aussi. Moi, c'est mon parent parce que. Maman est Niambois. Ah, ta mère est Niambois. Oui. Qui dit BTD FPI, c'est votre cas? Bon, ça dépend maintenant de votre conception. Hein. Vous, votre conception, c'est quoi? Qui dit BTD FPI? Afrikaans aussi? Non, moi, je ne peux pas coller les ethnies aux partis politiques. Hein. Mais toi-même, Ibo, là où tu es là, tu es de quel parti politique? Bon, je suis un artiste et mon parti politique, c'est le pire parti ivoirien du rire. Voilà, c'est important. Parce que tu es suivi par près de 50 combien de pays là, tu peux pas te lever comme ça pour dire que tu es Ouattara ou Metek Babo, c'est dangereux, on sait jamais. Bon, ça, après si ça ne devrait pas être dangereux, mais tu veux le dire, c'est ouais. Parce que bon, les pays africains, souvent la démocratie n'est pas trop ça, c'est tout. Sinon, aux États-Unis, il y a une année, on a vu des artistes qui ont pris l'engagement de voter tel candidat. Oui, oui. Ils ont même fait des porte à porte. Tout à fait. Voilà. Donc tu as eu à voter alors. Mais ça c'est mon droit. Et qui t'a voté? Le candidat qui m'a arrangé, c'est lui qui a voté. Voter le candidat qui l'a arrangé. Ah mais ça c'est mon droit. Tu peux pas m'empêcher de en voter. En tout cas, non, salut tout le monde. Hein. mais en même temps, on a vu que l'actualité bat son plein. On va demander à Jimmy Danger. Qu'est-ce qu'il pense, quel est le message qu'il peut porter peut-être pour la réconciliation sincère? Parce qu'on a vu le frère du père est devenu l'oncle du neveu qui est encore en exil à la haie. Dans cette position, bon, toi, quel est ton lien des parentés? Attendez, j'ai dit, moi je suis un artiste, sincèrement je m'attendais à des questions artistiques. Ça va venir. C'est quelle affaire de politique vous ça va venir. Non, c'est pas une affaire de politique. Appelle la politique. Si, c'est un point de vue. C'est un point de vue de l'actualité de ton pays. Tu vis dans le pays. La preuve en est, tu as voté, non? Ah! Non, l'actualité qui concerne ton vote, là, tu peux nous donner ton point de vue? Non, reprends ta question. J'ai dit, on a vu récemment Charles Legoudé qui dit que le président Laurent Gbagbo est son père. Étant donné que le président Laurent Gbagbo a dit que le président Alassane Ouattara est son frère, alors lui, Charles Legoudé, il est le neveu de l'oncle. Alors, dans tout ça, dans ces liens de parenté, toi, quels sont tes liens de parenté avec toutes ces personnes-là? Moi, voilà comment j'ai compris ce qu'il avait dit. Par exemple, moi, comme ça, je suis un bon pété. Et puis, bon, ma femme est bavlée. D'accord. J'ai plein de neveux, Guéré, Tagbana, Atier. Tu vois, non? En ce moment précis, c'est une manière de dire que nous tous, nous les Ivoiriens, nous sommes tous frères. Frères. C'est ce que moi, j'ai compris.
à travers le message. Voilà, à travers le message. C'est comme ça, moi, j'ai compris. Ça veut dire que nous sommes obligés de vivre ensemble. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est ce que le frère nous a dit tout à l'heure. Omega, David, qui était là, ton frère que tu connais bien, il a dit qu'il faut qu'on vive ensemble. Ceux qui sont en exil, il faut qu'ils rentrent. D'accord, on va laisser ce volet-là. C'est 10 000 dans un an. C'est dangereux. À la base, là, tu étais brigand avant, mais à l'enfant, tu étais palabreux. Non, je n'ai jamais été palabreux. Non, on demande. Oui, non, j'ai dit, j'ai mon ami d'enfance, Kwasi Guy Frank, voilà, qui est lieutenant. Demandez-lui. Moi, j'étais le plus peureux. Je n'en ai pas parlé. D'abord, mon dernier combat, c'était ceux deux. Où... On t'a limité. Non, ouais, non. C'est-à-dire, le petit, je croyais que je le maîtrisais, quoi. Ouais. Et quand j'ai fait, c'était un gars. Donc, ici, il était enflé. Bon, tous mes gars se moquaient de moi. Mais en fait, c'est pas... Après, je suis là, parlé à moi. Mais tu sais quoi, là, quand on te pose cette question? Non. Parce qu'à la vérité, dans tous les rôles que tu joues, là, quand tu joues le rôle des brigands, ça dit que ça te va comme un gant. Oui, oui, on appelle ça épouser son rôle. Épouser son rôle. C'est-à-dire que quand on te confie un rôle, il faut aller jusqu'au bout du rôle. Il ne faut pas le jouer comme ça. Il faut qu'après le film, on te voit en brigand vraiment. Donc, parlant d'épouser le rôle, là, tu as tellement bien joué aussi le rôle d'homosexuel. Est-ce qu'après les PD, tu n'as pas fait des avances? Tu as bien joué ce rôle. Non, ce n'est pas homosexuel. Voilà. Travesti alors. Quand on ne connaît pas, on demande. D'accord. Oui, mais c'était quoi le rôle? Voilà. Nous avons porté des robes pour jouer le rôle des femmes, pour défendre les droits des femmes. Les petites filles non scolarisées, les femmes battues, plein de trucs qu'on fait aux femmes. On se dit que si on porte les habits des femmes, le message va plus passer. Mais tu penses que tu. Donc, quand toi, tu ne viens pas regarder nos spectacles. Tu penses que c'est homosexuel? Tu as eu une scène de spectacle, si j'ai bonne mémoire, tu as une scène de spectacle où Dokana jouait le rôle d'une femme, ok, et Guyvin devait épouser Dokana qui était garçon dans la scène de théâtre, et toi tu étais la copine à Dokana, mais Dokana était PD et puis Guyvin voulait le garçon en laissant à moins, vous avez joué cette pièce là. C'est Fortuné qui était comment on appelle ça, l'oncle, pas l'oncle, le maire. Voilà, c'est lui qui est. Mais est-ce que tout ça c'est pas de faire la promotion de l'homosexualité? Non, mais il faut voir la fin, c'est la fin. Oui, mais est-ce que tout ça en faisant rien que ça, est-ce que c'est pas un peu faire la promotion du genre ou de travesti? Ou des travestis. Parce que ta mère n'est pas allée souvent, même dehors, on va t'amener comme ça. Tu sais, moi, quand tu regardes une pièce de théâtre, vous avez l'habitude de voir ça au premier degré. Et c'est dommage. Il faut lire entre les lignes. Lire entre les lignes. Entre les lignes. Le message qu'on a lancé, c'est ce qui est important. Ce n'est pas l'habit qu'on a porté. Est-ce qu'on a. Mais habit des femmes, là, ça te va bien. Ouais, mais je suis joli garçon, donc tout le monde. Habit des femmes, là, ça te va bien. Moi, merci, joli. Il dit pas non. Porter habit des femmes, juste là, ça te va bien. À la maison, devant les enfants, tu t'habilles pas comme ça. Mes enfants, même, sont à l'école de théâtre, donc ils savent. Ils c'est les jeux de rôle. Voilà. La majorité de mes enfants sont à l'école. Mais aujourd'hui, à la Konda, il faut dire, Jimmy Dandy, on constate que le théâtre vraiment a pris un vrai coup. Tu parles de. Vrai coup, mais il faut dire qu'il est agonisant. Il est agonisant. Il est agonisant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le théâtre est agonisant. Ce théâtre qui nous a tant fait rêver, vibrer, hein, aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ouais, c'est dû à quoi tout ça? Bon. Peut-être que. En fait, la musique est un peu plus facile, comme tu viens de le dire. Ils ont des producteurs. D'accord. Avant. C'était nous-mêmes qui faisions des efforts pour organiser nos spectacles. Okay. Les temps ont changé. Les salles deviennent chères. Oui. Donc il faut vraiment, comme tu l'as dit, avoir des producteurs. Okay. Et bon, peut-être que les Ivoiriens n'ont pas confiance à ce métier-là. Non, peut-être que c'est la nouvelle génération qui est venue vous damer le pion. Le groupe des magnifiques, Ramatoulaye. Ce ne sont pas des comédiens. Non, il ne faut pas confondre à Maison à Calaison, mon cher. Ah non, on appelle tout ça. Il ne faut pas confondre à Maison à Calaison. Voilà, ça veut dire qu'il faut connaître d'abord ce qu'on appelle là, avant de dire qu'ils sont venus damer le pion. Mais c'est vrai qu'ils sont venus dans ce moment. Une pièce de théâtre, ça parle d'où? Ça parle d'un texte. Mais ils sont là à l'école, ils ont des tests aussi. Tu as écrit un texte. Ils sont là à l'école, ils ont les tests aussi, non? Quand ils se mettent sur scène là, ils n'interprètent pas un rôle. Tu as écrit un texte. Ils n'interprètent pas un rôle, mais ils font plus. Voilà, c'est de l'humour, ils disent ce qu'ils ressentent et c'est ce qu'ils veulent. Mais les Ivoiriens adhèrent ça à tel point qu'ils oublient le théâtre. Non,
C'est que les Ivoiriens, ça n'a pas ce qu'on appelle théâtre, ou bien ça n'a pas ce qu'on appelle humour. Il faut faire la différence. D'accord. Tu vois, donc, quel est un humoriste et puis un comédien. Un comédien, c'est celui qui interprète les rôles. Voilà. Alors que l'autre, lui, il a une histoire à partager avec le public. Et il se trouve que cette histoire fait rire. Il raconte des blagues. C'est tout, il raconte des blagues. Non, pas forcément blagues. Bah, il peut même écrire une histoire. Voilà, c'est pas des blagues. Okay. Mais c'est une histoire qu'on ne peut pas jouer. Tu vois, non? Mais c'est quand tu regardes un film et que tu vois Omega David jouer le rôle d'un charbonnier, c'est parce qu'il y a un texte qui lui dit de jouer ça. Ça n'a rien à voir avec l'humour. Non, donc si je comprends bien, la nouvelle génération, si on leur donne un test de jouer, on ne l'éprouve pas. Non, mais logique, tu vas le recevoir, tu vas le demander. Non, toi, tu es dépensé et tu connais. Non, je ne peux pas juger quelqu'un. Dire la vérité. Je ne peux pas juger quelqu'un. Non, tu sais, nous, ce n'est pas notre domaine. Toi, c'est ton domaine. Mais pourquoi tu veux que je dise qu'il ne peut pas là, jouer? Là, si tu es. Si il devait jouer un rôle depuis la toilette, le voir dans une pièce de théâtre. Ah non, c'est pas ils sont limités à ça, ils jouent pas théâtre. Bah, comme peut-être que d'autres aussi sont limités au théâtre, ils ne peuvent pas faire l'humour. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'un comédien de planche devienne forcément. Non, on ne connaît pas. Parce que c'est maintenant que vous voyez ça. Non, c'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Mais est-ce que mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas de la faute d'Anaconda. Les gens ont tendance à mélanger tout. Non, c'est pas aujourd'hui. Oui, mais ces gens-là, il faut leur dire que c'est pas la même chose. Mais comme nous, on a un dévancier, un ténor qui est là, ça toi de dire que le magnifique Ramatoula et Joël, comment on appelle les autres là, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est humour. Vous ne pouvez pas dire. Mais ça, c'est humour. Et quand les demandes à l'étranger, ils disent qu'ils sont comédiens. Ils disent qu'on est humoriste. Ils sont limités à ça seulement. Mais si, je préfère même qu'ils soient limités à ça et puis ils gagnent leur vie au lieu de. Aller dans où tu ne maîtrises pas. Et les web humoristes là, eux tu les situes où finalement? Bon, tu sais, moi. Ouais, tire ton pied un peu. Voilà, ma génération. Petit, je te fais mal. Tu sais, ma génération là. Voilà. Moi, je suis content aujourd'hui parce que avant même que les enfants ne viennent, les Ramatoula et autres. Nous, on fait déjà l'humour. Mais seulement la différence, c'est que nous, on le fait avec des textes. Tu vois, non? Mais pourquoi ils ne font pas l'école, même? Alors que Gave et moi, quand on se prend, bon, c'est des textes qu'on écrit, mais il se trouve que les textes, là, on dit, voilà, tu vois, nous, notre génération, c'est comme ça. Maintenant, ils sont venus avec un autre style. Vous voyez? Ils ont innové? Non. Innové, non. Ça existe. En Europe, c'est. Y a mais pourquoi vous êtes dans la. Vous n'avez pas l'inspiration de faire ça en même temps dans. Mais pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Moi, je suis comédien, je suis acteur de cinéma. Mais tu apprécies quand même le travail d'Yves Duro, non? Web humoriste là. Tous ceux-là, je les apprécie. Mais j'ai dit que moi, Ibo Laurent, là, je suis acteur et homme de théâtre. Tu vas sur le net, tu tapes Jimmy Danger, ils vont te sortir. Ils vont mettre technique. Homme de théâtre, acteur. Et puis même, bon, ils ont même exagéré, ils ont mis humoriste. C'est pour dire que. C'est pas. On n'est pas dans la même catégorie. C'est pas parce que l'humour est venu à la mode, tout le monde se déverse. Et puis bon, tu ne maîtrises pas, mais là, tu perds. Mais quand tu les rencontres là, est-ce que tu leur dis que vous faites des élèves, vous ne maîtrisez pas quand tu rencontres la nouvelle génération de pourquoi frères? Tu veux qu'ils maîtrisent forcément théâtre? Mais il faut les encadrer. Ils se sentent déjà. Mais viens les encadrer pourquoi? Est-ce que la grande avant, tu as dit que lui, il a besoin d'être encadré. Hein? Quelqu'un qui est bien chez lui, il a acheté sa maison avec son humour, tout et tout. Et tu veux forcément le tirer pour l'envoyer au théâtre. Les anciens générations. Il y a là, c'est noir. En ce moment, il n'y a pas de théâtre. Si, il y a théâtre. Mais on a joué, il n'y a pas longtemps. Mais l'ancienne génération. Bonjour. L'ancienne génération. Bonjour. Bon, cette année, je vais acheter, comment on appelle, à Avignon. Ah, où ça? Ok, donc vous jouez à l'extérieur du pays. Avignon, c'est pour te dire que c'est la Coupe du Monde de théâtre. D'accord. Avignon, ok, d'accord. Mais votre ancienne génération. Votre ancienne génération, beaucoup acheté maison, c'est comme la nouvelle génération. Tu sais, les générations, Laurent Poukou n'a pas acheté une maison. Ah bon? Non, je t'ai dit. D'accord. Ah, Laurent Poukou n'a pas acheté voilà. Maison. Drogba a acheté maison. Voilà, Drogba a acheté maison. C'est pour dire qu'il y a des gens qui lancent les bases et puis bon, d'autres en profitent. Martin Luther King a lutté, c'est Obama qui a été président. Donc, c'est la vie. On ne peut pas dire non, comme ils sont arrivés, ils sont plus nantis que nous. Non, moi, non, je n'ai pas dit qu'ils sont plus nantis. Oui, mais c'est que tu es à l'aise. Non, c'est que tu es à l'aise, mais demande si votre ancienne génération-là. Il y en a qui ont pu acheter une maison comme la nouvelle génération avant de grosses voitures. Mais à leur temps, là, est-ce qu'il y avait l'argent même votre pour temps. Dire que. Non, pas mon temps, parce que moi, je suis encore dans la course. Voilà, parce que je n'ai pas d'Agier Daniel.
je parle de Diallo Tikoy Vincent, je parle de beaucoup d'hommes. Wintin Pierre, en l'occurrence. Bon, ils sont plus de ce monde. Moi, c'est pour dire que leur temps là, hein, c'était pas trop. Et puis, même si on doit jouer entre nous, il n'y a pas de salle en Côte d'Ivoire. On n'a pas ça. Il y a Sofitel de Côte d'Ivoire. Il y a Palais. Tu finis de jouer au Palais de la Culture. Sofitel, c'est pas pour l'État. Moi, ce que je connais, je parle du Palais de la Culture. Ce qui appartient à la culture. Ce qui appartient à la culture, qui ne doit même pas être cher, qui est passé de 2 millions et quelques à près de 9 millions pour louer ça, ce qui n'est pas normal. Vous êtes d'accord? Si l'acteur. Parce que là, c'est l'argent que tout le monde a pris pour construire ça. Pour faire la promotion de l'art. Non, lui, on ne peut pas les acheter. Dans le contexte de la promotion de l'art. Moi, je parle de la promotion de l'art. Mais il n'y en a même pas. Mais quand moi, j'ai mon argent et que je joue au Palais de la Culture, par exemple, après ça, là, je vais jouer où? Alors qu'en principe, il doit y avoir plusieurs petites salles. Plusieurs salles en Côte d'Ivoire. Le Palais de la Culture, c'est l'apothéose. C'est-à-dire quand on dit non, je joue à Korogo, je joue à Odené, je joue à Tant. Mais quand je finis toutes ces villes-là, puis maintenant, je viens. Abidjan, ça joue ta finale. Tu vois, non? Voilà, mais il n'y en a pas. En ce moment, quand j'ai fini tout ça, et puis j'ai fini Abidjan, bon, quand me voit, tu sais que lui, là, il vient d'y tourner. Continuons de parler de la culture. Le Burida a mis en place un conseil de gestion depuis plusieurs années. Est-ce que tu trouves que ça a apporté un changement? Bon. Jusque-là, bon, moi, je ne sens pas. Peut-être que ça a apporté à d'autres personnes, mais moi, personnellement, je ne sens pas ça. Pour Parce que tu as fait une sortie? Pour te plaindre de ça. Oui. J'ai fait une sortie, j'ai dit que non. Il faut qu'on parte aux élections. Voilà. Voilà, lui qui a gagné, il dirige. Mais on ne peut pas nous imposer un groupe qui, depuis là, on va dans la troisième année. Mais ouais, parce que trois ans aujourd'hui. C'est pas comme ça les tests du Burida. C'est pas comme ça. Hein? Mais c'est lui qui est là, il est là par intérim, non? Le moment. Tu sais, Karim? Oui. Mais non. Lui, je ne parle pas de lui. Parce qu'il est le représentant de l'État. Le représentant de l'État. Okay. Et j'avoue que le monsieur, bon, entre parenthèses, il faut reconnaître qu'il fait du bon boulot. En tant qu'un bon. Vraiment, il gère bien. Voilà. Mais moi, si je dois parler, si je dois gueuler, ce n'est pas sur lui. Moi, c'est ceux qui nous représentent là-bas. Toi, ton problème, c'est ceux qui nous représentent au sein. Voilà. Effectivement, parce que c'est régi en plusieurs collèges. Voilà. Donc, ça dépend de l'État. Écrivez à l'État, mais faites-vous sortir, adressez-vous à l'État que voilà, désormais, voilà. C'est mieux. Ils ont des représentants dedans. On a trop guéri. À l'État. Mais quel État c'est où? État, c'est quand je me mets devant vos caméras et que je parle, l'État va comprendre forcément. Depuis ta carrière, tu as perçu combien d'argent au niveau du Burida? Je perçois comme tout le monde chaque année. Chaque année. Parce que il y en a qui ne perçoit pas chaque année. Lui, comme ça, il ne reçoit pas. C'est un chanteur. Ça fait 14 ans, il n'est jamais. Il faut aller là-bas. Moi, j'ai déjà déclaré, mais bon. Mais attends, dans ce temps-là, on paye là, 100 et quelques millions. Non, mais en fait, moi, franchement, je profite pour parler de ça. Il y a un truc qui me dérange un peu dans le système du Burida. Pourquoi on est obligé d'aller là-bas pour prendre son argent? Aussi, il y a des virements. Non, mais c'était l'ancien système. Mais maintenant, on fait. Parce que j'ai l'impression qu'on donne l'argent à ceux qui vont faire le rang avec nous. Non, ça c'était avant. Bah. Avec, mais allez prendre son argent, c'est différent. Ça dérange non, pas. Non, tu vois, en France, à la sortie, tu dis que tu es en France, non? Et puis on vit ici, c'est l'Afrique. Non, mais en Afrique, c'est le pays de Ouattara. Il faut être rare pour prendre ton argent, tu n'aimes pas. C'est ça de vous battre, je vous dis que. Tout a changé. Maintenant, ta carte de Burida, là, ça fait office de. Comment on appelle? Ta carte Visa en même temps. Quand on te vit ton argent, partout dans le monde, tu peux retirer ton argent avec ta carte Visa. C'est comme. C'est ta carte de Burida en même temps. Toi, ta carrière, là, tu as commencé en 2009, si j'ai bonne mémoire. Non, je suis passé à la télé le 8 juin 1989. Pas 2009. 89, d'accord. Mais ça te fait combien d'années? On va pas dans 32 ans, un truc comme ça. Mais tes 32 ans, mes 31 ans de carrière là, tu l'as déjà fêté? Non. Tu n'as pas confiance en toi? Quand on fête. Omega a fêté ça. Tu dis quoi? Omega, elle a fêté ses 30 ans de carrière. Oui, mais il continue toujours, non? Continue quoi? De jouer? De jouer. Oui. Ah, moi, j'attends 40 ans. Mais à 40 ans, on sait jamais, tu peux mourir. Ah ouais, ça c'est toi qui dis ça, ouais.
On est à 32 fois que tu es le musée. Comment c'est bon? Il est bête. Il veut te tuer. Il dit, il n'y a pas été d'un coup de poing. Mais 32 ans de carrière, tu ne fais pas tes 30 ans de carrière. On veut t'as peur de faire un échec? Non, pas que j'ai peur. Moi, je suis confiant. Les Ivoiriens même. Mais toi, tu connais quelqu'un qui est un Ivoirien, n'aime pas. Les Ivoiriens aiment tout le monde. Non, moi, c'est ce que je constate. Il y a des gens qui les Ivoiriens n'aiment pas. Moi, les Ivoiriens, là, ils sont fans de moi. Voilà. Mais ça ne m'intéresse pas de faire. Tu sais, je n'aime pas où on copie là. Comme un a fait. Adrien a fait tant. L'autre fait tant. Voilà. Dans la carrière. Si je dois organiser un spectacle, moi je vais au Palais de la Culture ou bien je vais à l'Ivoire, j'organise un spectacle. Je n'ai pas besoin de dire non. C'est tant de carrière. C'est tant de carrière. J'ai le titre de ma pièce de théâtre. Ibo Laurent présente tant et puis on vient. Qu'est-ce qui manque à tout ça pour présenter ta pièce tout mais... C'est manque d'argent ou mais c'est manque de sponsor. C'est quoi? Oh, mais toi-même là, tu penses que le public ne va pas venir? Moi, je, tu sais, il y a plein quand ils font là, c'est l'argent qui les intéresse. Moi, ce que toi, tu n'aimes pas l'argent. Écoute-moi d'abord, ce que j'aime là, c'est que quand tu viens regarder mon spectacle, il faut que quand on se croise dans la rue là, il y a un respect. Tu dis ouais, tu es un artiste. Ouais. C'est d'abord ça qui est dans ma tête. Donc, avant de me lancer dans un truc comme ça, là, je me prépare bien d'abord. Pour que tu n'aies rien à dire. Parce que vous, les animateurs, ils voient. Quand vous avez bouche, quand je vais vous inviter là-bas, là. Hein, oui, tu fais voilà. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à dire. Quand tu m'invites comme ça, là, tu sauras comment me parler. Parce que Omega, quand il a fêté ses 30 ans, voilà. La salle était un peu vide. Bon, tu vois tout ça, là. Donc, c'est tout ça, là, qu'il faut travailler. Il te fait peur, il faut travailler sur ça. Oui, mais c'est normal. Il faut que je fasse une communication. Parce que ceux qui ont fait la communication d'Omega, moi, je l'ai trouvé, je leur ai dit non, vous n'êtes pas au top. C'est les gars là. Omega était l'un des premiers à organiser un spectacle au Palais de la Culture en tant qu'Omega David. Oui. Et dans la 4000 places, il a offert au moins les trois quarts dans le temps. Oui. Où on n'espérait même pas que le théâtre pouvait faire quelque chose. Omega a fait le plein. Tu vois ça? Tu vois non? C'est pas ce même gars-là, Omega, qui a venu jouer dans la 600 places. Et puis ça va pas être plein. Moi, ça m'a choqué. Je leur ai dit ça. Il dit non. Même moi-même, ça m'a choqué. On avait reporté. Oui. J'ai dit, mais tu reportes un spectacle, pourquoi? Un spectacle qui est reporté en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que ça prend. Ça prend plus. Ouais, ça, c'est toujours un problème. Moi, je connais ça. Mm-hmm. Moi, je les ai engueulés. Non, c'est pour cela, depuis là, tu es là, tu te prépares. Tu te prépares doucement, doucement. Mais tu n'as même pas de projet de spectacle. Ah, je m'en dis. Si tu es bossu que tu vois de toute façon la terre bossu, il faut t'apprêter. Hein? Ça. Non, là, là, non. Je m'apprête. Mais on ne te voit plus trop aussi. Où? Par exemple, on sait, à chaque fois qu'on demande après ton nom que tu es parti en France, que tu es à l'étranger. Oui. Voilà. Voilà. Donc si le chèque est national. On me voit. Mais est-ce que quand tu vas en France, là, c'est pour aller justement pour aller te balader? Attends, le nom qui m'est donné, là, c'est quitté où? C'est pas dans faut pas fâcher. Oui. Je passe tous les jours. Et puis tous les jours, c'est moi qui suis la terre précise. Mais quand tu vas en France, là, tu vas faire quoi? Je vais prendre un peu de repos. Tu manques d'inspiration? Jimmy, excuse-moi de te dire ça. Non, mais moi, je manque. Tu t'en vas, tu prends ton billet, tu vas en France, tu vas te balader, tu reviens. Tu manques d'inspiration. Non. Pendant que tes amis travaillent, toi, tu te balades. Je profite du fruit de mes efforts. Ah, voilà. Tu prends des vacances. Voilà, je prends des vacances. Ah, pas Blondie le fait. Pourquoi je vais pas le faire aussi? Ouais, c'est vrai, pourquoi pas? Voilà, si. Dans la nouvelle génération, tu as un bon petit que tu respectes un peu, que tu aimes. Et tous, moi, je les aime. Et puis, je les aime ouais, particulièrement quand même mon petit magnifique, un petit qui est bien. Qui est bien. Voilà, je dis un petit qui est bien parce que. Bon, je vais garder ça pour moi seul, mais c'est un petit qui est très bien. Je l'apprécie. Il y a Galawal. Sinon, tous les groupes là, vraiment, il n'y a pas de problème entre eux et moi. Mais eux, ils aiment mon affaire. Et web, humoriste là. Aussi. Je ne les connais pas trop en fait. Tu n'es pas d'actualité, oui, mais tu fais exprès. Non, bon, tu sais, moi. Il y a des jeunes comme les Ange Freddy. Oui, par exemple, on a travaillé ensemble. Inizi, non. Oui. Voilà. Là, je me rappelle un peu. Moi, il faut les noms, pourquoi toi, tu te rappelles. Souvent, je connais Marcel, tu vois. Marcel. Oui, c'est un jeune aussi. Tu vois, non. Bon, là, je ne connais pas Ploma. Bon, je vais checker pour voir qui il est. C'est tout. Ah bon. Mm-hmm. Sinon, bon, il y a plein qui me proposent. Non, mais les gens sont sur Facebook, ils font des trucs. Je ne sais pas le faire.
Donc en fait, c'est pourquoi les gens. Tu veux que j'aille harmonie dans un truc, tu vois, tu es dans un style et puis on dit, ah, les vieux, toi aussi. Ah, non, moi, ton bain-bain, c'est pas ça. Hein? Non, mais Jimmy Danger, moi, je pense pas que toi, tu vas tenir dans ce style-là. Parce que toi, tu es déjà un gars qui joue des rôles déjà de rue. Donc, en temps normal, là, je suis désolé, mais c'est ce que ça, c'est le quotidien des gens. Si tu fais des vidéos où tu es dans la rue, dans ton rôle de brigand, d'étendant. Ce que tu dis, me rappelle quelqu'un, il y a Julien Gualo, avant d'aller en Europe, qui m'appelle. Mon beau, t'as la même style. Avant que je fasse la vidéo, donc, il a vu qu'il n'avait pas tort. Maintenant que je suis arrivé, je vais aller le voir. Et puis on va voir comment on peut créer pour le plaisir des... Voilà. Moi je pense, hein, moi j'apprécie beaucoup ce que tu fais, et je sais que franchement ça peut aller. Ouais, mais c'est pas lui seul, il y a même maman, il n'y a même pas une semaine il m'a appelé encore. Pour dire vraiment ton style là. Il peut être ton style. Donc en ce moment là, faut pas fâcher là. Tu n'as pas d'autre activité qui te fait entrer de l'argent. Oh si. Il y a quoi? Si, il y a mes spectacles. Mais tu fais pas spectacle. Non, mais c'est toi qui ne vois pas. Pourquoi il fait pas spectacle? Non, quand tu le vois où dans spectacle? Mais comment je vis en Europe. Ah, c'est là où je vais en venir. Je viens de faire une pub. J'ai eu l'argent là-bas. Voilà. Hein? Donc, tu es rétrogradé à faire publicité. Comment? Il n'y a pas compris ton. Tu es rétrogradé à faire publicité. Mais publicité, c'est ce qui est normal même pour un artiste. Il n'y a rien de rétrogradé dedans. Mais il ne faut pas t'oublier, quoi. Non. Quand on te prend pour faire la promotion d'un produit, c'est parce que tu as du poids. D'accord. J'espère que tu passes voir de temps en temps Gavin, Zouman, Amouin, les personnes malades. Les deux autres là, faut pas jouer menti, je passe pas. Les deux autres là, tu as dit Zouman et puis Amouin. Gavin, lui, on est allé pour ensemble. Non, tous les jours on se voit. Mais Zoumana, maman m'a appelé. Hein? Zouman et Amouin. Non, Zoumana, je suis pas encore parti là-bas. Depuis les malades là. Depuis les malades, là, je n'étais pas là. Tu étais où? Oh, mais non. Mais j'étais en France. Non, même pas France, j'étais en Allemagne. J'étais en Allemagne. Ouais, j'étais à Wuppertal. C'est dans l'ouest de l'Allemagne. Oui, mais quand tu es en Allemagne, tu apprends qu'un dévancé est mourant et est malade. Donc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Est-ce que tu envoies l'argent? Et c'est lui qui t'a dit que c'est mon ami. Elle a besoin d'aide. Est-ce que vous êtes solidaire dans votre corporation là? Mon ami, oui. Je vais te dire un truc. Voilà un monsieur comme Zoumana. Qui a rendu service à la nation. À la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. D'accord. Tu vois, non. Voilà. Moi, mon argent, je vais donner à ce moment-là. Ça va lui arriver. C'est un geste, ça va le toucher. Non, je ne cherche pas à le toucher. Je cherche à ce qu'il guérisse. Tu vois, c'est la Côte d'Ivoire qui doit le soigner. Mais bien sûr. Surtout que les. Mais est-ce que vous avez approché les autorités? Surtout que les artistes ivoiriens ne sont pas nantis. Tu vois, pour que tu sois milliardaire en Côte d'Ivoire, ou bien pour que tu sois. Hein, riche même. Faut vendre drogue. On dit Nido. Nido. On dit Nido. Vous connaissez alors. Moi, c'est ce que j'ai appris. Il faut faire les tournées européennes. D'accord. Tu vois, non? Comme le Chikenja, comme le Blondie, Mewé, Asalfo. En ce moment là, là-bas, il y a beaucoup d'argent. Mais les petits bonbons de Côte d'Ivoire, là, tu as t'en sorti comment? Mais lui-même qui t'appelle, mais il pleure. Comme tu sais que là, c'est vrai qu'il pleure, mais si tu n'as pas pleuré aussi là, c'est toi qui as pleuré après. Donc tu es obligé de prendre dans les pleurs des pleurs. Mais tu as fait comment? Mais vous faites quoi pour que les autorités s'approchent de Zoumana pour lui venir en aide? Bon. Peut-être que les décideurs du pays ne savent pas que Zoumana est malade. Non, ils savent. Le président de la République, c'est que Zoumana est malade. Ils savent, pareil, il y a le ministère qui était représenté par qui dans le temps, là, je ne sais plus, est parti là-bas pour lui rendre visite. Et j'ai lui dit que lui ont donné 1 million. Mais je profite aussi pour dire que ça n'a pas suffi. Ouais, il faut dire la vérité. C'est pas vraiment pas suffisant. Pour quelqu'un qui a eu un AVC, c'est un peu difficile. Mais 1 million là, les filles apprennent ça pour aller à Sénie, dormir, revenir. Quelqu'un qui est mourant pour te donner 1 million, il a eu AVC, il n'a qu'à se soigner. Tout ça dit que c'est. Ayez pitié quand même. Les gars, pardonnez, ayez pitié. 1 million quand même. Quelqu'un qui a fait AVC, qui a rendu un grand service à la nation. 1 million va plus à signer, il faut qu'on parle de 10 millions. Ah, tu vois, on te parle de 10 millions, pas de 1 million à signer. Non, les autorités, pardonnez. Encore en Côte d'Ivoire ici. Les autorités, pardonnez. Moi, je me dis 1 million, sans me insulter, que c'est 10 millions, on va signer à l'effet week-end. Je ne vais pas te donner 1 million à quelqu'un qui a fait AVC, qui est mourant, qui a vendu la Côte d'Ivoire, les drapeaux de la Côte d'Ivoire partout. Partout. Les gars,
Dis quelque chose. C'est danger. Danger. Pardon. Bon, Alakoda a dit quelque chose. Voilà. Un million. Un million, c'est peu. Ça, je le dis. Hein. Mm-hmm. Un million, c'est peu. Parce qu'il y a sa fille même qui m'a appelé. Qui est vraiment. Je suis son tonton. D'accord. Voilà, elle est mon affaire, Mireille. Bizier Mireille. Elle m'a appelé, elle a dit ah, c'est vrai qu'ils ont donné, on est content, mais actuellement, ça ne va pas chez le vieux. Mm-hmm. Elle me l'a dit. Ouais. Tu vois, non? Très cher général Camille Makoso, digne fils du CPI. Voilà. Zoumana est mourant. Ton vieux père Zoumana qui t'a fait rire. Voilà, il est malade. Sa fille a approché Jimmy Danger, que l'argent que l'État a donné 1 million là, c'est petit. Toi, tu allais donner 1 million à un mois, donc tu parles au-delà de 1 million. Il faut sauver une vie. Quand il n'y a pas que lui, il y a aussi des personnes de bonne volonté. On a fait le soutien. Tu veux qu'on informe Drouba? On peut informer tout le monde, hein. On peut appeler tout le monde. Tous ceux qui sont probables. Bon, il y a aussi le jeune frère Eric Bailly qui soutient aussi. Oui, Eric Bailly aussi. C'est tout ça. Voilà. Donc, on peut lancer. Et puis, nos professionnels, là. Voilà. Ceux qui ont fait que Zoumana a fait rigoler. Ça, ce serait bien d'apporter. Parce que Gabe, aussi qu'elle a fait son AVC, il a appelé Drouba. Drouba n'a pas donné l'argent. Donc, on ne sait jamais. Mais néanmoins, Drouba, si tu nous entends, si tu peux faire juste. Peut-être qu'il n'a rien pas entendu. Voilà. Gabe était là, il dit Drouba a entendu. On a reçu Gueye ici. Ah, Vede Gueye. Dans votre film Bronze Barbès, vous êtes allé prendre un acteur en prison, venu finir les repas en prison, mais vous n'avez pas. Non, il n'est pas parti en prison. Ah, quand là, il est grave. Il n'est pas reparti en prison. Hein. C'est que vous je sais. Évadé. Il était à la prison des mineurs à Dabou. Là. Il y a une petite prison là-bas. Vous avez fait sortir un microbe de prison venu jouer rôle, non? Après, on l'a mené où? Non, il est resté. Donc, vous l'avez fait évader? Ils ont acheté. Acheté quoi? Ils ont payé pour qu'il sorte. Sa liberté, sa caution, en fait. Voilà, la caution. Qu'est-ce qu'on peut voir ici à ça? Quelqu'un qui a pu évader pour. Mais c'est une branche qui est partie là-bas. Toi, tu vois, c'est toi qui as bâti et puis voilà, c'est. Ah, payé. Voilà! C'est ça, mais ça, c'est pas normal. Elle est partie, elle a payé. Mais ça, c'est pas normal. Non, mais ça dépend de ce qu'il a fait. C'est un délit mineur. C'est un délit mineur. Non, là, je ne sais pas. Mais je ne l'ai jamais demandé. Tu es fier de jouer avec un prisonnier? Ah, moi, ce n'est pas le côté prisonnier. Moi, j'ai vu un coup, je vais jouer dans un film français. Par exemple, en fait, c'est un film français. D'accord. Voilà, donc voilà. La dimension internationale. Oui, moi, c'est ce que j'ai vu. Et ce film-là a vraiment marqué ma carrière. Là, tu n'as pas d'amis PD dans ton milieu, là. Je connais pas qui est PD. Dans ton milieu, tu n'as pas d'amis PD. Si quelqu'un est PD, que moi, je ne sais pas, putain, en cause. Mais tu as amis lesbiennes. Non, j'ai pas d'amis lesbiennes. Tu les aimes pas, quoi? Non, pas que. Non, ça, c'est la vie, hein. Ça, c'est la vie, mais moi, je peux jamais faire ça. Non, on n'a pas dit que tu fais. Ah, tu as amis, mais si tu les aimes pas. Non, ça, c'est la vie. Si j'apprends que toi, tu es PD. Ah, pourquoi seulement tu montres? On sait jamais. Ouais, il y a des gens qui sont. Que les gars sont pénés. Si après, tu es pénés. Ah, mon petit, tu as zaé. Tu as laissé femme pour aller là-bas. C'est tout ce que je peux dire, mais à part ça, là. Ça part de quoi? Ça ne veut pas. Val me fait dire là-bas. Tu veux dire? Alors, quelle a été la cause de votre séparation, toi et puis Dokanon? On ne s'est pas séparés. À un moment, il y avait beaucoup de spéculations, on a entendu plein de rumeurs. Moi-même, un matin, je me lève, je vois sur un journal, l'argent les a séparés. Je ne sais pas où le gars il a tiré ces informations-là. Mm-hmm. Seulement, on m'a interviewé. Okay. Ils m'ont dit, vous êtes amis? J'ai dit, non, nous sommes de bons collègues, mais nous ne sommes pas amis. Mm-hmm. Et que mon ami, c'est Gayver. Ouais. J'ai dit, si l'homme ne se promène pas ensemble. Non, ils sont pas ensemble. Mais c'est de bons collègues. Oui. Très bons collègues. Bon collègue, bon. Tu vois, non? Non, ce n'est pas parce que je fais un duel à quelqu'un qu'on est amis. Non, le Dieu est tellement marché. La preuve, vous avez combien de monde, je ne vois pas. Oh, un ami, c'est toujours. Tu vois, non? Donc, le Dieu a tellement bien marché dans la tête des gens, ils sont amis. C'est ce que j'ai dit, non, on n'est pas amis. T'entends? Donc, quand le gars a comparé nos deux interviews, dit, l'argent nous a divisé. C'est que l'argent qui nous a divisé. Actuellement, on nous appelle tous ici, on s'en fait gombo. Le gars, il a bien fait de dire ça, parce que c'est l'argent qui a séparé Delta et puis à moins. Non, on n'a jamais eu problème de l'argent. Ça change les gens. Moi, demander à Dokanon. Un jour même, il est venu me dire, mais tu es honnête? Je dis, mais comment ça? Parce que je suis allé négocier un contrat.
Puis j'étais au plateau, j'ai oublié le contrat quelque part dans un restaurant. Donc quand lui il est venu manger, après le spectacle, tout, hein, et puis les gars lui ont remis, on dit, ah, ton frère a oublié le truc ici. Et puis bon, normalement, il faut lire parce que c'est un document. Et quand il a lu, c'est ce que j'avais dit là. C'est ça que. Moi, je... Mais bon, j'aime pas le coup bas. Non, ça ne te descend pas. Toi, t'es un brigand. Voilà, délinquant même. Il faut délinquant, même. C'est ça. Voilà, je suis délinquant même. Voilà. Mais pourquoi vous n'aimez pas aller faire les spectacles à l'hôtel d'Ivoire, ce fitted là? Votre groupe n'a pas l'argent pour partir là-bas, mais c'est quoi le truc? Non, on n'a même pas encore fini. Attends, un jour, je vais t'appeler, tu vas aller regarder ça. Vous allez peut-être aller couvrir ça. À l'Ivoire? Je suis en train de préparer ça. Je voulais même pas. Voilà, c'est ça, faut te lâcher, c'est ça, on attend. Le grand du danger, ce fut le tel Ivoire. C'est ça, on veut. On ne sait pas, tu nous parles de tes. Voilà. Non, mais actuellement, nous sommes au stade de bosser le texte. Voilà. Voilà. Parce que, voilà, en laboratoire. Voilà. Parce que quand moi je joue à l'Ivoire, il faut que ça soit un spectacle beau et en couleur. Bien sûr, oui. Voilà. Le genre de spectacle qu'on n'oublie pas là. On n'oublie pas. C'est ça. Bon, ici aussi, le Fafa, c'est aussi l'actualité. Hein. Oui, oui. Il y a l'affaire Porti-Porta des femmes, les femmes battantes à Dubaï, les influenceuses. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est une sale vie. Ouais. Si c'est vraiment ça, si elles ont vraiment fait ça, je leur dis que c'est une sale vie. C'est de l'immoralité. Tu vois, non, voilà. C'est pas. Oh, c'est pas beau. C'est dégoûtant. Je vais dire aux jeunes filles, ne suivez pas ce genre de modèle-là. Ouais. Tu vois, non? Quelqu'un qui passe à la télé, qui te montre sa richesse, mais qui te montre jamais le travail qu'il fait pour avoir ça. Moi, je trouve ça bizarre. Ouais. Voilà. Ah, ils sont nombreux comme ça, hein. Puis ils sont nombreux. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils voyagent. On allait travailler, on revient. Voilà l'argent. On ne sait pas qu'ils travaillent, on les fait. Voilà. Et puis ça fait que plein de jeunes filles rentrent dans ce business-là. Tu vois une petite fille de 15 ans, un vieux moro de 50 ans. Mais le truc, c'est que Jimmy, peut-être que c'est dû à la pauvreté au pays, le manque d'emploi. Peut-être qu'il y a ça aussi. Il faut que l'État pense à ça. Oui, mais il y a d'autres mêmes qui ne font pas l'effort. C'est vrai que c'est dû. Ça, moi, je reconnais. Voilà. Je reconnais, mais c'est pas pour. C'est dû. La fille, elle est là. Les parents même n'ont pas à manger à midi. Un gars vient voir la fille. Il dit, ma petite, allons en boire une bière. Et puis voilà, 25 000 francs pour toi, pour ta journée. Elle va donner. Non, à ce niveau-là, même, on peut. Mais c'est ce niveau qui manque juste à aller à Dubaï. Non. Mais tout part de quelque chose. Tout part de quelque chose. C'est de là ça monte jusqu'à aller manger caca. Parce que quand ça commence comme ça, tu veux rouler en Mercedes, tu veux rouler en Range Rover, tu veux te déplacer en jet privé. C'est de là tout part. Donc il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire trouve un emploi pour la jeunesse. Vraiment. C'était pour les jeunes filles. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Ouais, parce que. C'est le cas de venir rêver. Quand même, la pauvreté y est pour quelque chose. Beaucoup. Voilà. Tu vois, quand il y a beaucoup de petites filles qui se vendent à ce qu'il paraît. C'est pas Yopougon, ça, moi. Non, c'est là-bas, on connaît. Pourquoi les gars, Makoru, a commencé là, vous parlez pas de ça. Hein. Voilà un quartier, PD rempli là-bas. Le pauvre, moi, c'est bien, il boit les petits gosses et tout. Ce qui n'est pas mauvais. Il veut forcément diaboliser cette commune-là. Pourtant, les gens de Yopougon, ils vivent comme on peut vivre. Non, mais l'homme de Yopougon a son argent. Il cherche son maquis, il boit sa bière, si sa petite goût à côté, même si la main poc, poc c'est bien. Mais ça, c'est double. Et l'homme de Marguerite, lui. Et la PTA qui est là-bas. Tu vois dans la maison, mais ils sont 5, 10 dedans comme ça. Et puis, oh, il faut vomir ceux-là. Mais le pourquoi c'est un peu mieux, engrais. Voilà. Voilà des gens qui souffrent, qui perdent maintenant 400 000. C'est, ils ne vivent pas en fait. Ils vivent pas. J'ai des amis, non, mais tout le monde est anglais ici. Il faut venir. Il y a eu temps, moi, je comptais 450 000 francs pour donner à mon ami garçon chaque fin du mois. Ah, moi, j'ai quitté au village, moi, j'ai dit maman, quoi. Non, mais ça veut dire que c'est trop bête. Et puis, il le mène. Ça veut dire que dès qu'il finit de payer, là, il est en train de courir encore pour avoir les 400 000. C'est comme cela, il se donne à tout pour avoir des voilà, mais là, quand c'est comme ça, les vis rentrent. Effectivement. Parce que, en fait, les vis là. C'est comme ça. C'est voilà, vis là. Vis il attend. Toi, tu crées ton problème. Tu crées ton problème. Je suis là. Tu veux faire quoi encore? Oui, oui, oui. Bon. Ça vient. Voilà. Alors, Jimmy, dans une question de moralité, est-ce que tu peux refuser de jouer un rôle? Oui, bien sûr. Tu sais, à un certain niveau, il y a des rôles. Même si tu as faim, il faut refuser. Ok. Voilà, parce que après, tu vois, non, c'est ta carrière qui prend un coup. Donc, il y a des rôles là. Il faut. Un rôle politique, peut-être, que ta carrière va prendre un coup. Non, moi, si c'est politique, c'est bon. Tu sais, dans mes débuts de carrière là, on m'avait proposé un rôle. Ah bon, explique-moi alors, quel genre de rôle? Quand on était
jeune là, un cousin qui dormait à nous au salon, là, un petit chat noir. Bon, t'as vu que ça, là, tout le monde a fait ça. Moi, j'ai pas fait. Oh, Dieu, vous savez que tu n'as pas dormi à un cousin. Et le chat noir, il a fait, ben, de façon, elle a crié. Il veut t'attraper. T'as vu, il va m'attraper pour. Et puis là, il va crier, les gens sont sortis. Il a mis gars, il a versé. C'est vrai, j'ai Guimi Danger. Hein. Mais moi, il y a le rôle là qu'il ne peut pas jouer. Voilà, parce que le Guimi Danger que moi, je joue là. Vrai, vrai là. C'est pour éduquer la jeunesse. Voilà, c'est comme ça. Donc, il a raté le combo. Ah, il a fait comment? Il a raté ça. Mais Guimi, pendant ton parcours de là d'où tu viens, tout ce que tu as fait, tu as pu avoir une maison à toi quand même? Bon, il faut dire la vérité. Non, on n'en parle pas en fait. Voilà, voilà. Moi, je vais finir d'abord pour le village, presque un château. Waouh, félicitations. Presque pas. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Abidjan, c'est pas chez moi. Mon village est à Tabor. Comment on appelle ton village? On appelle ça. Je suis d'Issia. Ouais. C'est loin de chez Babou? Oui, oui, c'est loin. Parce que quand je vois. L'autre, lui, il est sur la route de. L'autre, c'est qui? Babou. Mm-hmm. Il est sur la route de Saint-Franc. Oh, moi, c'est après Gagnoua, chez Drogba, chez moi. Ah, c'est une alliée. Voilà. Donc vous êtes ensemble. Ouais, du coup, on est ensemble. Ouais, on est ensemble, il se ressemble. Ouais, on se ressemble. Tu vois, non? Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, je finis d'abord le village. Et puis, mon terrain qui est quelque part à Coco, ici. Je n'ai pas dit de quoi, il ne faut pas. C'est les jaloux vont le chier là-bas. C'est pas facile. Mais là, après, maintenant, ils ont attaqué ça. C'est d'abord au milieu de. C'est un peu quoi? Au milieu de vous, les gens se lancent un peu les sorts là-bas, la société, les trucs mystiques là-bas un peu. Bon, nous, notre génération là, oui, nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Quand un organise, on va en l'aide. Bien sûr. La preuve, nous, on ne parle même pas de cacher. Solidarité, il n'y a pas d'alliance, on ne fait pas de jalousie. Nous, on est contents. C'est lui maintenant. Si vous voulez vous donner un effrayement. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Comme, mais ça, c'est comme dans la fin. Les états d'esprit sont vraiment au beau fixe. Oui, c'est comme ça. Non, ça, c'est très bon. Ça n'a rien à voir, les gens de couper des pelles et rats. Puis voir que ça soit ici, souhaitait la femme de lui là. Non, c'est lui qui souhaitait ma femme première. C'est ça, c'est les gens de couper des pelles et rats. Puis voir. Moi, je l'ai perdu. Parce que c'est toujours eux, on est jaloux d'eux. Je sais bien. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux de moi. Moi aussi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Voilà, vis ta vie. Mais un artiste, mais il n'a pas besoin de tout ça là. Ça un artiste, ce qui est important chez un artiste, c'est son talent. Tout le reste là, on s'en fout de ça. Ouais. Normalement. Ouais. Produit du bon spectacle, ouais. Produit des bonnes chansons, tu vas voir que ça va marcher. Tu n'as pas besoin de buzz, des trucs comme ça. Depuis tes spectacles, c'est quelle prestation qui t'a marqué? Oh, ce qui m'a marqué, c'est en 2007. Mm-hmm. En 2007, c'est vrai qu'il y a eu deux spectacles. Mm-hmm. On a joué. Comment on appelle tout ce que tu as déjà avec deux canons où on a fait le plein de la salle. Tout ce que tu as déjà. Voilà, c'était tu veux. Mais avant ça, j'avais déjà joué un spectacle dans la 1500 places. Et là, c'était au théâtre. Vous appelez ça One Man Show, mais au théâtre, on appelle ça un monologue. Un monologue, ok. Un monologue, c'est quand tu joues seul. Mm-hmm. Voilà, un monologue, c'est être capable de jouer au moins 5 rôles en même temps, toi seul. Waouh. Oui, c'est pas donné à tous les comédiens. C'est quand tu as atteint un certain niveau. Abbas, comme ça, lui, il peut faire ça. Non, il faut demander à Abbas. Mais moi, je ne sais pas. Il faut demander. Alors, à Abbas. Notre émission va bientôt tirer. Voilà, donc, c'est là que j'ai joué. Je vous le dis, pour la première fois, mais je vais le traiter. Ah ouais? Et c'est Daiko qui m'a trouvé dans les coulisses qui a dit, mais attends, c'est ton spectacle. Ouais. C'est ce que tu as dit là, ils vont accepter. Ouais. Donc, cette phrase-là. Ça t'a réconforté. Là, ça m'a réconforté. Et t'as pas donné un verre de whisky quelque part là-bas? Non, non. Ça là, tu peux boire. Le texte est frais dans ma tête. Et je rentre comme ça, la salle est pleine. Wow. Voilà, la 1500. Mm-hmm. Et puis j'ai pu jouer ça. T'as assuré. Au nom de l'amour. Ouais. Et tu t'es retrouvé à combien comme ça? Oh, l'entrée était à 5000. Non, tu t'es retrouvé à combien? Non, attends, d'abord, je t'ai parlé. Hein. Quand lui qui a produit le spectacle a pris pour lui. Okay. Bon, on dirait qu'il m'a payé 3,5 millions. Ah, c'est bon, voilà. 3,5 millions. Ah, c'était pas mal. C'est bon. C'est très bon. La 1500 places. Oui. C'est 5 000 dans le temps. Oui, ça va. Et puis c'est dans le temps. Hein. Nous, c'est dans le temps. C'est dans ça va faire mal aussi. Ça va faire 10 000. C'est africain. Alors, Anaconda, notre émission va bientôt tirer à sa fin. 10 000 dans le temps. Nous allons demander ton projet d'avenir. Ton mot de fin, ton actualité, tes projets d'avenir et tout.
le message que tu as lancé. Bon, présentement, je me transforme un peu en producteur. Ok. Voilà, d'ici peu, vous allez voir mes œuvres. Ah, c'est bien. Voilà, 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 vous allez voir mes œuvres. J'ai toujours dit, hein, à un certain âge quand même, il faut que les enfants viennent jouer dans ton film. C'est clair. Tu n'as pas toujours couru dans le film. Tu vois, vos générations sont devenues réalisateurs. Un petit comme toi, mon vieux, j'ai un film là. Bon, tu vois, non. C'est vrai, voilà. C'est important. C'est moi, je dois dire, petit, viens sur mon film. C'est clair. C'est ce que je voulais avoir, en fait. Tu t'es jamais essayé la musique, hein? Oh, dans le temps, oui. Oui, oui. Ça n'a pas marché. Oh, ça n'a pas marché. Pas que je n'ai pas une belle voix, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est bien d'essayer. C'est comme notre frère Al Moussafa, il a essayé la musique, il a chanté Morobaya, ça, mais ça n'a pas marché aussi. Non, mais Al Moussafa n'est même pas artiste. Mais il a essayé. C'est un acteur. Un acteur ou un film que j'ai vu là. Comment on l'appelle? John Charles. John Charles. Il y a quand même influencé, c'est quoi? C'est bon. Al Moussafa, on te fait un coucou là-bas. C'est mon frère. Voilà. Alors, notre émission tire à sa fin. Nous allons remercier tous ceux qui partagent nos vidéos. N'arrêtez surtout pas. Partagez. On est toujours connecté. Fafa, c'est votre émission. Ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, depuis la France, les États-Unis. Romel, le prince de Rio, big up à toi. Kangala, le berger, la grande famille. Ange Bleu, le cultivateur. Merci à tous qui nous soutenaient. Merci au papy Vivianus, à toutes ces personnes. Olivier Niepa, depuis la gare du Nord. On est ensemble. Surtout, sortez couverts. Et c'est le Fafa, la meilleure émission actualité people. On est ensemble.